Bonjour, je suis Diria Tanziai, je suis la fondatrice de l'association Résonante. Donc chez Résonante, on fait deux choses. La première, de la sensibilisation et de l'information sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et puis la seconde, c'est qu'on crée des outils concrets destinés aux victimes et aux témoins de violences. Et on utilise beaucoup le numérique. On sait malheureusement que pendant le confinement, comme dans toutes les périodes de crise, les violences ont augmenté. Donc ce qu'on a fait chez Résonante, c'est qu'on a avancé la sortie de l'application mobile Appel. Appel, c'est une application qui est gratuite, qui est destinée aux victimes de violences. Donc en téléchargeant cette appli, elles ont la possibilité de définir jusqu'à 3 personnes de confiance et de leur envoyer une alerte. En envoyant cette alerte, les 3 personnes de confiance entendent en direct ce qui se passe, elles ont le suivi GPS en temps réel et en comprenant la situation, ces 3 personnes de confiance peuvent organiser les secours à la place de la victime qui n'a pas forcément la possibilité d'appeler le 17 ou de fuir de chez elle. On a également lancé une campagne de communication pour faire connaître largement cet outil, donc n'hésitez pas à partager notre campagne. N'hésitez pas à faire connaître cette application autour de vous, aux victimes de violences, et n'hésitez pas non plus à la télécharger. Ça vous donnera la possibilité d'être une personne de confiance pour un de vos proches.